Eh bien, yo le jeune Harry Potter, si vous pouvez pas y moi, ça te prend une toute nouvelle vidéo assez particulière. Car là, je vais vous montrer un youtubeur qui a une seule main et qui a perdu une main. Enfin, il est né comme ça, ne jugez pas d'un compte, s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il a 212 000 abonnés, bon, c'est nombreux, etc. Ne jugez pas, il a pas de main et il réussit à jouer sur console. Sauf en c'est quand même un truc de ouf. Je vais tout de suite vous montrer un extrait de cette vidéo, surtout après, c'est parti. Alors, juste avant de commencer la vidéo, regardez la chaîne du gars du nom de Blinks V2. Regardez sa chaîne, il a 212 000 abonnés si vous voulez. Vous pouvez vous abonner. Du coup, et ben on va trouver un petit extrait et je vais vous le montrer tout de suite. Du coup, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, comme vous pouvez voir dans l'extrait, il a... Ok, en fait, il a une seule main, l'autre main, c'est un peu déformé, voilà. Je sais pas, je vois pas très bien, c'est flou. Ah, en fait, il a pas du tout de main. Il joue avec zéro main, il joue à la console, comme vous pouvez le voir. Il n'a pas de main, il a réussi à faire une victoire royale sur Fortnite. Qu'il y a des joueurs avec leurs deux mains. Et bah, il galère pour faire des top 1, tout simplement. Et lui, il a pas du tout galéré, qu'il a... Quasi zéro main, il joue avec ses bras, etc. Ne jugez pas d'un commentaire. Regardez, là, c'est le même mec, il est en train de jouer, qu'il a que zéro main, il joue. Il joue bien. On dirait un peu un pro player. Regardez. Là, je vous rappelle qu'il a zéro, qu'il joue sans main. Alors, quand même, c'est un truc de ouf. Il joue sans main. Il sait construire. Et. Ok, pour l'instant, son pote est KO. Il a réussi à faire un petit top 1 en jouant avec zéro main. Quand même un truc de ouf. Son pote est revivant, du coup. Alors, regardez le deuxième petit extrait. Vous voyez qu'il a pas de main et qu'il réussit à faire des kills. Il en a déjà mis un KO, un petit GG à lui. Et regardez. Quand même avec une malformation comme ça, il arrive à faire des kills, à jouer aux jeux vidéo. Vous voyez qu'il a fait déjà plein de kills. Enfin, il a mis des KO. Là, il a fait deux kills, si vous voyez bien. Quand même, jouer comme ça. Il réussit à faire des kills. C'est quand même incroyable. Là, il vient faire un nouveau kill. Un petit GG à lui. Enfin, un grand GG à lui. En plus, il a perdu. Enfin, il a ses deux mains. Je crois que c'est une malformation quand il est né. Il réussit à faire des kills comme ça. N'hésitez pas à me dire GG dans les commentaires pour le mec. Car quand même, jouer comme ça, c'est un peu difficile. Même des gens n'arrivent pas à faire autant de kills qu'ils ont encore ses deux mains et ils n'arrivent pas à faire des victoires royales. Par exemple, lui, il a une malformation, il joue sans ses deux mains et il réussit à faire des petits top 1. Du coup, regardez, il sait construire. C'est bien, il sait construire. Comme ça. Et... ok, là il vient de mettre un KO. Franchement, là, c'est magnifique. Regarde, il a réussi à faire des kills, comme ça. Au simple, il a réussi à faire des kills. C'est quand même incroyable. Par contre, on dirait un pro player qui joue avec. Il a pas de main et réussit à faire des kills. Et réussit à faire des top 1 sur Fortnite. Évidemment, ça ne se passe pas que sur Fortnite, ça peut passer dans d'autres jeux. Regardez, là il est en fight. Regardez comment il réussit à jouer. Et il réussit à quand même blesser les gens. Bref, on touche déjà à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est comme mettez un pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Cliquez sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez, sinon, c'était Boubis et Boubis. On se retrouve.
pour une nouvelle vidéo. Sinon, ciao tout le monde.